Le Père Noël va être occupé. Mais à quel prix? Allons interroger les consommateurs en vue des périodes des fêtes. Allons faire la fête. Est-ce que vous trouvez pas ça bizarre que le Père Noël soit au centre des fêtes, sachant qu'il n'est cité même pas deux fois dans la Bible? Et où est le problème? Bah, je veux dire, la Bible parle à peine du Père Noël, alors que Jésus est quand même le personnage principal de l'intrigue. Oui. Alors pourquoi le Père Noël tout le temps? Pour faire marcher le commerce. Trouvez-vous normal que le Père Noël soit au centre du débat pendant les fêtes, sachant qu'il n'est cité qu'une seule fois dans la Bible? Non. Trouvez-vous normal que le Père Noël soit justement mis au centre du débat, sachant qu'il n'est cité qu'une seule fois dans la Bible? Je me trouve devant l'escalator du pouvoir d'achat, mis à mal par le mécanisme de la crise financière. Bonjour, faites-vous route vers la banqueroute? Bonjour, faites-vous route vers la banqueroute? Bonjour, faites-vous route vers la banqueroute? Faites-vous route vers la banqueroute? Faites-vous route vers la banqueroute? Les achats de Noël? Souvent les gens me demandent: Sacha, qu'est-ce que tu vas faire pour les fêtes de Noël? Et je leur réponds: bah gros bêta, je vais dîner avec ma famille et ouvrir des cadeaux. Et vous y croyez au Père Noël? Ouais. Oui ou un peu? Parce qu'il y a une différence. Oui, un peu, oui. Enfin, j'ai envie d'y croire parce que je suis de naturel optimiste, donc voilà, j'ai envie, ouais. Par exemple, demandez-moi si je crois au Père Noël. Vous y croyez? Jamais. 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 Autre question, on dit que les suicides en France, les plus nombreux, ont lieu pendant les fêtes. N'est-ce pas là une conspiration, sachant que fête et suicide ne peuvent pas être dans la même phrase? Noël, c'est la bonne humeur? Bah oui, Noël, c'est censé être la bonne humeur, mais bon, après, peut-être qu'il y a des gens qui se sentent seuls, donc du coup, c'est pour ça qu'il y a peut-être plus de suicides. Ouais, mais justement... Comment dire, c'est une fête où on est censé être tous en famille et tout, et il y a peut-être des gens qui se retrouvent tout seuls et du coup ça leur fait penser à un manque et du coup ils ont... Ouais, mais justement quand on est seul, on n'a pas à payer de cadeaux, donc on fait des économies. Ouais, on fait des économies, mais bon, on a besoin aussi d'une affection, même si c'est pas forcément par rapport aux cadeaux, c'est pas forcément un besoin matériel qu'on recherche, c'est peut-être plus de l'affection ou quoi que ce soit. Bon, okay. Il y a autour de la bûche et... Enfin, vous voyez ou pas? Les SDF autour de la bûche? Bah, ah, le gâteau. Comme quoi, on peut en rire. Ouais, on peut en rire, c'est sûr. Et, mais il y a également des gens qui ne fêtent pas Noël, des gens qui d'une autre religion. Ouais. Alors imaginons un musulman qui se suicide pendant les fêtes. N'est-ce pas là une provocation? Si, ouais, je pense que ouais, c'est plus une provocation que quelque chose. Seulement les chrétiens peuvent se suicider pendant Noël? Non, pas seulement les chrétiens peuvent se... Tout le monde? Non, personne ne devrait se suicider. Pour ma part, je ne fêterai pas Noël, car je suis scientologue. Niquez vos mères. Noël. Sacha Béart, Rajmag.